Hello les gens, ici c'est Shadowar, on se retrouve aujourd'hui après moult temps sur Borderlands 3. Et depuis tout ce temps, je suis quand même et toujours en compagnie de mon cher Gentleskull. Salut à tous, et franchement bravo pour cette intro, hein. Ça m'avait manqué quand même. You're the best. My man. Donc, ouais, on est parti sur Prométhée, je crois, c'est ça? Je sais plus. Non, je ne crois pas qu'on soit sur. On ne doit pas être sur Prométhée, on est sur Eden Saucis, là, il me semble. Eden Saucis. Est sur Eden Saucis, Beden Saucis. Et voilà, ça fait très longtemps, hein. Ça fait plus de 6 mois. Actuellement, nous sommes le 1er septembre et voilà, le dernier. Le 6 mois, ça fait à peu près 5 mois. Bah, ouais, mais le temps que la vidéo sorte, voilà. Parce que... Ah oui, c'est vrai. Je pense que ça va faire un peu de temps, tu vois. Parce que vous, le dernier épisode, nous, on l'a tourné en mars. Vous l'avez eu en avril. Et voilà. Et là, nous sommes en septembre. Donc, autant vous dire que, voilà. Pour vous dire, il y a eu beaucoup de changements. Il n'y a pas eu trop de déménagements. Mais c'est surtout, voilà, on a eu des soucis d'emploi du temps. Moi, j'ai eu un souci de PC. Et beaucoup de travail de mon côté. J'ai eu une période très chargée. Je vous en parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Mais voilà. Là, on a enfin un petit peu de temps pour nous, pour se retrouver, pour refaire du Borderlands. Moi, ça fait depuis qu'on n'a pas tourné que j'ai pas touché. Mais Gentle, lui, il est un petit peu joué. Ouais, j'ai joué avec un pote, d'ailleurs, Big Up, Bloody Rabbit. Je regarde nos vidéos, tout ça. Et moi, je me suis fait un flake pour jouer avec lui. On n'a pas dépassé, donc là, c'est toujours de la découverte même pour moi. Et par contre, j'ai vraiment bien pris le jeu en main, j'ai bien compris tous les arbres de compétences, les machins, les trucs. Il y a peut-être un truc que j'ai pas encore compris vraiment et que j'arrive pas à avoir le réflexe, tu sais, c'est les... Bah, je vais pas sortir. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est les, tu sais, les armes secondaires, enfin, tu sais, tu peux avoir... des fois, les armes ont deux pouvoirs, ou je sais pas comment dire. Ouais, ouais, elles ont deux modes différents. C'est ça. Oh là. Oups là. Ah. Oh. Ah. Bah, ça va être explosé. Eh bien, on n'a pas eu le temps d'expliquer le scénario, mais... mais en fait, du coup, il faut aller voir Rainwright parce que... Il y en a un qui a été... Comment s'appelle l'autre? Il y en a un qui a été capturé. Et on est censé aller le sauver. Ouais, eh ben écoute, allons-y. C'est par là. C'est marche. Allons-y. Tu vois, je te l'avais dit que c'était par là. Attends, je vois des caisses de mine. Ouais. Oh, beaucoup de vie, je sais pas si ça cache quelque chose. Ouais, bah tu sais, il y a un trou et il y a des trucs. Ah, il y a une caisse ici. Je pense que on s'attend à un boss, hein. Alors, un joli fusil à pompe pour niveau 28, et un peu moins joli fusil à pompe pour niveau 29. Moi, aucun m'intéresse, hein, donc c'est vraiment pour le fric. Voilà. C'est vrai que du coup, avec mon pote, on joue, tu sais, on a, comment dire, chacun nos armes, tu vois. Ah, ok, d'accord. Alors, il y a compétition et compétition, je crois que c'était... Ouais, c'est ça. Nous, on est en compétition. Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai que ça change. Maintenant, ça rajoute du challenge. C'est ça. Bon, ben, let's go, j'ai envie de dire. Marteau pilon! Aurélien, non! Écoute ton frère, je te supplie d'arrêter! Non, tu as loupé une caisse d'armes. C'est pas grave. Je dois finir d'élaguer la dernière branche de l'arbre des Jacobs. Si tu veux tuer Wainwright, tu devras d'abord... Oh putain! Oui, c'est. Ok, très bien. Bon, bah Aurélia. J'arrive, hein. Vas-y, vas-y. Ah, mais il y a un truc légendaire. Ouais. D'accord. T'inquiète, je l'ai pris, je m'en trouverai après. Ça marche. Je vais l'utiliser, là. Oh mon dieu, elle fait des tornades. Ok, bon, son bouclier est déjà tombé. Attends, t'es où?
Je suis là où je prends beaucoup de dégâts parce que j'ai pas de couverture. Vas-y, viens, viens. Ok, let's go. Atomisation en cours. Oh non, c'est le moment où elle est invincible. Dégage. Allez. Qu'est-ce que tu crois faire? On a un robot, putain. Voilà, sa vie, elle descend comme neige en soleil, quoi. Alors, Olaf, on a perdu la Reine des Neiges. Merde, elle est où? C'est vrai qu'il y a une situation plus près. Bon bah... Allez hop! C'est bon là! Ah. Putain, notre robot a explosé pile à ce moment-là? Ou est-ce que c'était fait exprès? Alistair, tu vas bien? De quoi? Oui, mais toi, toi aussi, elle t'a tiré dessus! Je veux dire, est-ce que notre robot a explosé à ce moment-là exprès ou? La première fois que je me fais plomber. Non, elle avait encore un peu de vie. Ok. Ah, c'était merveilleux! C'était incroyable, c'est vraiment ultra cheaté! C'est un flingue électrique! D'accord. Mais c'est un flingue, c'est un... Putain, ouais, un pistolet, tiens, voilà, il y avait tellement de vie. Voilà. Alors, voyons voir. Oh, 345. Il est pas mal. Waouh. Ok, d'accord. Tu veux le prendre? Non, vas-y, j'ai pris un pompe avant, le pompe bleu. Ouais, mais il était pas incroyable. Il était pas... Attends. Je vais le tester, et comme ça, s'il est vraiment... S'il est pas à mon goût, je te le file quand même parce que quand même il a l'air assez incroyable. Ah non, il est bien, vraiment, je t'assure, tu le Je me souviens pas avoir des. J'ai des flingues, mais il me semble pas qu'ils faisaient ces dégâts là, quoi. Non, on est sur un truc. Ouais, quand même. Je vais me remettre un petit flingue. Alors, regarde, il tire comment? Moi j'ai un flingue 244. Attends, mais ça explose après? C'est un Teddy Orr, je crois. Ah, mais c'est chelou, c'est ultra chelou. Regarde. Quoi? En fait, tu tires à un endroit, la balle rebondit dans les airs et ensuite elle explose. Ouais, bah ouais. C'est... Ok, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça vaut. C'est un peu étrange quand même, j'avoue. C'est un peu étrange. Ça, c'est quoi? C'est un sniper. Bon, il y a nos copains là. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé de caisse d'armes. Bon, par contre, fait le tour, mais... on était vraiment censé prendre ultra cher. Quand je vois tous les trucs de soins qu'il y a sur les côtés, on était censé prendre ultra cher, quoi. Merci le robot. C'est allé tellement vite. Bon, les copains, comment ça va? Merci, chasseur de l'arche, pour lui avoir laissé une chance et pour vous être prêté au jeu d'un frère aveugle. Ça va aller, tous les deux? Vous êtes un peu blessés. Nous survivrons au moins jusqu'au chalet. C'est à vous qu'il faut finir, chasseur de l'arche. Le chalet. Ah oui, l'arche. Pour dévoiler son entrée, vous devrez résoudre des petites énigmes à base de statues dans les jardins. Ah, génial. Vous pouvez pas me donner la réponse? Merci, Sylvester Stallone. Je vous présente mes excuses. Tu entends ça, Alistair? Le chasseur de l'arche a perdu le goût de l'intrigue. Pardonnez-lui, il ronchonne toujours quand on lui tire dessus. Essayez de résoudre les énigmes, chasseur de l'arche. La première statue est dehors sur la terrasse. Il vous suffit de regretter... Quand la voix de l'arche sera dégagée, je vous rejoindrai avec le reste de la clé. Tu lui as coupé le bec. Je crois qu'on n'a pas entendu la fin du dialogue. Bah, je sais pas, parce que du coup... Parce que du coup, il a donné l'énigme en même temps, donc du coup, moi, j'ai pas la fin de l'énigme. Ah, moi non plus, mais on va faire. Eh bien, bonne chance. Quand la première statue, quelque chose, voilà. Il faudra quelque chose. Tu vas voir, on va gérer. Je suis sûr qu'on n'avait pas besoin. Attends, j'ai eu un point de compétence, je vais en profiter. Pas besoin d'un OK. Puisque du coup, je vais pouvoir avoir mon Wrecking Ball, compétence au corps à corps, en visant l'ennemi. Voilà. Il avait la passion du détail, au point de ne jamais rien remarquer d'autre. Ah, d'accord, ok. L'enregistrement pour un indice. Singleton est métallé depuis qu'il a gardé son humain pour mieux régler les instruments de guerre qui firent sa fortune. Il fit
hélas une rencontre inopportune. Et la balle le frappa en pleine prune. Alors, nous, on est bon. Waouh. Ouais. Ok, du coup, il faut trouver. Il faut trouver un outil, du coup. Il faut trouver. Il a tiré en pleine gueule. Vous aviez pigé. Ah, d'accord, ok, d'accord. Dis-moi quand t'es prêt. Ouais, t'entends les grenades. Devant ton option d'infliger. Je pense que je réinitialiserai mon. Ton arbre de compétences. Ouais, parce que là, vraiment, je m'y retrouve pas, tu vois. Mais on va perdre le robot. Non, justement, en fait, c'est que le robot, il est dans un autre truc de compétences. Ça marche. On lui a tiré en pleine gueule. Vous aviez pigé. Oui, on a pigé qu'il fallait lui tirer dans la gueule. Pour me vider la tête. Les jardins m'apaisent toujours un peu. Ouais. Sans doute. Singleton s'est fait braquer, mais il a préféré inspecter le bout voilà. Du fusil du bandit. Enfin, jusqu'à ce que le bandit lui tire dans la tête. Bien. Dirigez-vous vers la ménagerie. D'accord. Et là, il y a ouais. Une petite piscine privative devant un gouffre. Mais c'est sympa. Pour commencer, ça aurait été cool ici. Ouais, j'avoue. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? De l'iridium. Et encore de l'iridium. J'avais oublié à quel point c'était jouissif de tout faire péter. Qui c'est qui balance des trucs là ouais. Ah mais il y a des monstres. Il y a quelque chose, une cage ouais. D'armes. Ah, une cage d'armes. Juste plaisir. Ok. Ah, et ça, ce sera quand on aura tous les échos. Oui. Alors. Ah, c'est un sniper. C'est un sniper niveau, du niveau 29. Si tu veux le prendre, vas-y, parce qu'il est pas ouf. Bah, non merci. Moi j'ai toujours plein de bordel sur moi, donc je vais arrêter de tout ramasser. Oh. Oh, on me tire un truc. Mais c'est Jacasso, ouais. Un Jacassos là-bas. Médiocre. Médiocre. Cette ménagerie a été construite par mon grand-oncle, Maddox. Il était tellement méfiant qu'il préférait vivre séparé du reste du monde par des barreaux. Il mesurait même ses spaghettis, de peur que son cuisinier les lui fasse trop court. What the fuck? Les spaghettis. Non mais attends, on peut pas couper des spaghettis, vous êtes fous. Alors attends, j'ai un écho là. Ah. J'ai un nouveau job. Mon contremaître m'a dit que Jacobs avait besoin d'une personne de confiance. Et tada, c'est moi, responsable des jardins de Jacobs. Aujourd'hui, j'ai taillé les haies, arrosé les fleurs et poli les statues. Les recoins, c'est là que la crasse s'accumule. J'ai dû y mettre pas mal d'huile de coude, mais ça brille comme un sous-neuf. Maman est fière. Mais papa encore plus. Il dit que j'échappe aux mines d'ambre avec ce boulot pépère. Par contre, j'ai fait une bourde. Je me baladais derrière les jardins et là, il y a un type avec des yeux cybertroniques qui me fait. Oh là, n'allez pas plus loin. Mais très gentiment. Je lui dis que je suis le nouveau responsable de jardin, c'est mon travail. Mais il prend par le bras et répond. Cette partie de la propriété est interdite. Mais ne vous inquiétez pas, ça s'entretient tout seul. D'accord. Oh, il y a une grenade... Je sens que ces cristaux résonnent. Une grenade pas légendaire. Violette, si c'est légendaire. Non, c'est très rare. Pardon. Non, c'est ouais, c'est rare. Une fois, plus de l'eau, pardon. Une explosion, tout le monde s'en soigne. Bah, je la veux bien. Si vas-y, take it, take it. T'as testé un peu le flingue du coup? Non, j'ai pas trop testé le flingue, puisque comme il est électrique sur les jacassos, je me dis que ça fera pas grand-chose. C'est surtout sur les boucliers. Des cristaux. Ah non, ça fera quand même quelque chose, hein. C'est toujours des dégâts en plus, en fait. Mais, ouais, tout à fait. C'est juste mais... que le feu est plus... Oula. Alors, adapté, on va dire, pour la chair. Ouais. Mais... D'ailleurs, tu sais quoi, je m'étais posé une question. Ouais. Je t'écoute. Est-ce que Flake... Ouais, non, pardon, c'est juste que j'étais avec la statue, là. Est-ce que Flake prend des dégâts corrosifs? Enfin, est-ce que ouais, Flake est plus sensible aux dégâts corrosifs qu'au feu? Pourquoi? Aux dégâts incendiaires. Bah, parce que c'est un robot. Donc,
techniquement. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'ils ont été à ce point de détail. Enfin, si ça peut être ah, du détail, je ne sais pas. Il y a une caisse ici. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que Zane aussi, quelque part. Puisque Zane a une partie. Je crois qu'il a un bras électronique et il a une partie cybernétique aussi. Ah. Il faut que tu glisses en dessous. C'est qu'une partie, tu vois, c'est là où. Ouais. Il faut que tu glisses en dessous. Regarde. Là, il y a un petit passage. Ah, je ne la fais pas plus, les petits passages. Eh oui, les petits passages, tout à fait. Vas-y, je te laisse ouvrir la boîte. Oh non, mais je te... Non, mais je t'ai attendu pour que tu l'ouvres, alors tu l'ouvres. Et c'est toujours un sniper. Non, mais tu sais que ce soit moi qui ouvre ou toi, ce sera toujours nul. Hein. On est maudits, hein, depuis voilà. Le début. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, attends, on va venir voir. Parce que moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, donc... Alors, voyons voir. Maddox était un homme nerveux qui vivait enfermé. Le monde extérieur lui vouait une haine sans doute enflammée. Le dos tourné et l'esprit embrumé, il n'entendit pas l'arme venue le dégommer. Ah, faut tirer dans le dos. Oui, le vieux Maddox passait tellement de temps le nez à la fenêtre qu'il n'a pas remarqué Oula. Que son majordome... Si j'avais dû venir, hein. Trop tard. Bien pratique, hein, cette armure, quand même. Ouais, tu m'étonnes. Je me demande, il n'y avait pas un truc caché derrière. Oh, là, là, là. Ah non, en fait, t'avais déjà regardé. Il a bruit. Il est où ? On est suivi. Pardon, je suis là, oui, je suis là. Oui. Finalement, je vais peut-être garder Star Wars de compétence. Bah, c'est pratique qu'après il reste quand même genre pendant un certain temps. Ouais, ouais. Oh, et je peux même aller sur le siège mitrailleur. Bah oui, toi tu peux aussi y aller, ouais. Encore heureux. T'imagines, tu peux même pas profiter de ton jouet. Bah, ça a été tous mes anniversaires. Ok, on est bon ? Ça a l'air. Yes. Allez, dernière épreuve. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Des petites caissettes. Oh, petite caisse là cachée derrière. D'une grande cupidité. C'est lui qui nous a fait connaître dans la galaxie, même si ce n'est plein de flingues nulles. Ok, très bien. Alors voir Wharton du coup. Du coup, c'était que avec des. What? Qu'est-ce que quoi? Voilà. On va se calmer les mioches. Ah bah je l'ai eu. Voilà. Voilà. Oh là là. Bon, on a un petit peu de mon mousse. Mais quelle puissance. Je
peux venir. Let's go. Oula. Aïe. Oh. Vous approchez du marqueur ouais. De Typhon de Léon, le premier chasseur de l'arche. Hélas, il s'est volatilisé voilà plusieurs décennies à la... Tanis, tu sais que tu nous répètes ça à chaque fois qu'on est vers un écho. Toutes les informations qu'il aurait pu semer derrière lui. Ah. Bon, on peut déjà... Non. Ah, il y a encore un ennemi. Cool. Oh. Il y a encore des gens à tuer, trop bien. Voilà. Alors, où est ce truc? Ah, il est là. Oh, mais il y a une caisse ici. Attends, je te dis s'il y a quelque chose de sympa. C'est un sniper qui est pas ouf. Quoi. Et le truc de Typhon de Léon, il est censé être là. Ah, il est là. Il y a une échelle là devant toi là. Si le grand Typhon de Léon n'a rien trouvé, ça ne sert à rien que d'autres viennent s'en mêler. Il sourit et il me tend un flingue en or massif. Ce fut un plaisir de traiter avec vous, de Léon. Ah, on a trouvé les trois enregistrements. Ok. Le plus gros étron de l'univers. Il y a des hommes qui excellent dans tous les domaines. D'accord. Ouais, du coup, la, celle qu'on a vue dans... Ouais, c'est ça. Bah, on ira la chercher plus tard, parce que du coup, elle va donner du stuff meilleur plus qu'on attend. Alors, du coup, la statue. Ah, plus tard. Bah, n'importe. On va voir comment ces cristaux résonnent. N'importe, j'ai envie de te lire. On pourrait y aller vite fait. C'est vrai. Alors, au pire, on peut y aller juste après ça. Ouais, ça marche. Alors... Good stuff. Tirait ses bottes aussi bien que ses vestibules. Le sol était si brillant qu'il y glissa de façon ridicule. Il retomba d'un coup sur ses testicules et son agonie résonna dans le crépuscule. Il faut lui tirer dans les couilles. Dans mon Dieu. Le médecin a dû inventer un nom pour sa blessure. Il a parlé d'une dévastation testiculaire fatale. Jusqu'au bout, mon grand-père sera resté un innovateur. Vous avez flairé ces énigmes comme un saurien en rute. Revenez sur la terrasse, vous y trouverez un interrupteur pour ouvrir l'entrée de l'arche. Alors tu vois, le chasseur de l'arche apprécie bon. Les énigmes complexes tout autant que toi. Complexe. Oui, je suppose que ouais. L'aventurier va encore dans votre poitrine, chasseur de l'arche. Comment ça se fait que... Quoi? Bah ouais, mais mon flingue, on dirait qu'il sent un nerf. Allez, on enchaîne. Oh, je vais crever. Tu vas crever? Non, tu vas pas crever. Bah ouais. Ah si, je suis mort. Mais attends, t'es mort? En même temps, mon flingue ne fait pas de dégâts. Je... Mais ça m'a même pas affiché à l'écran que t'étais en seconde vie, quoi. T'étais en dernière chance. Ah ouais? Ah, ça m'a... j'ai même pas eu le truc, l'indication à l'écran, quoi. Sinon, je serais venu t'aider. Bah, c'est peut-être un. C'est bien, douleur? Ouais, bah, je sais, t'inquiète. On prend ça. Vas-y, encore, tu vas s'amuser ou. Non. Désolé. Ah. Je viens de tuer le dernier. Il y a un truc... Un fusil à pompe. Mitrailleuse verte. Alors... Du coup, on va chercher la cache. Ouais. Ouais. Allez, hop. C'est derrière la cascade, là. Tout à fait. Le loot. Le loot. Le loot. Et hop, le loot. Waouh. C'est...
Vas-y. Ouais, c'est... Ouais, bof. Il y a un truc pour Flak en bas, genre... Les mecs, ouais, putain, mais pourquoi vous faites pas un truc de détection pour savoir qui, quel personnage, vers quel truc, tu vois, genre, je sais pas. C'est ouf. Ok, parce que là, ça l'a pas ouvert en même temps, parce que là, moi, je l'ai ouvert. Ah, toi, tu l'as pas. Ah, d'accord. Ok, on a pas les mêmes choses, du coup. Ah, ok, bon, au moins, on a pas... Une grosse mitrailleuse et un lance-roquette. D'accord, moi j'ai un fusil à pompe, deux, une petite mitrailleuse, une grosse mitrailleuse et un lance-roquette. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Mais... Et moi j'ai un truc de classe de flak en bas. Donc génial. Génial, génial, génial. Bon, disons que ça se vend cher, donc je vais y prendre quand même. Mais c'est pas non plus incroyable quoi. Genre, bon, après 36 x 10 pour un fusil à pompe, c'est vrai que c'est peut-être pas mal. 36 x 10 par rapport à celui que j'avais tout à l'heure, qui est celui-là, 85 x 6, ouais. Non, c'est pas si ouf que ça, ouais. Ah ouais, les artefacts noirs à l'écran, désolé, c'est juste moi, quand je suis dans le menu, mon PC est en PLS, et je sais pas pourquoi il fait des artefacts noirs comme ça. Bon. Ok. Eh ben, nous sommes prêts pour aller ouvrir l'arche, j'ai envie de te dire. Ouais. Let's do this. Hey, psst. Allez, viens. Viens, on est bien. Bah, tu vas où? Ah merde, pardon, c'est là-bas. Je me disais que, genre, ils vous ont dit au chalet, il y a un bouton. Mais là, en fait, ils ont mis un bouton dans l'eau. Ah. Moi, c'est... D'accord, ok, bah let's go. Brouh. Et voilà, chasseur de l'arche, mon héritage familial. Selon moi, un petit prix à payer pour rendre la société Jacobs à ses propriétaires légitimes. Je vous remercie. Ok. Ah oui, d'accord, l'arche, c'est le truc, c'est le gros truc qui est derrière. D'accord. Rejoignez l'arche, je vous y retrouverai. Oui, Tanis. Let's go. Est-ce que ça va planter? Est-ce que ça ne va pas planter? Est-ce que nous le saurons dans le prochain épisode? Oh, c'est allé assez tellement vite! J'ai à peine eu le temps de boire un coup! Ça, c'est grâce à la puissance du SSD, les enfants. Normalement, on devrait plus avoir de problème de chargement. SSD, le Nec Plus Ultra! On va faire une amateur le suivant. On va faire un truc à la JDG, tu sais, les NordVPN, SSD. Viens, vous y êtes. Le fragment. Moi, y a ça, Nice. C'est toi, Nice, là, toi, Nice. Vas-y, vas-y, tiens, prends le fragment. Vous êtes compté. Pardonnez-moi, j'ai entendu quelqu'un dire ça un jour et j'ai toujours rêvé d'essayer de le caser. D'accord. Enfin, nous rirons une autre fois. Je vais assembler la clé de l'arche. Okay, assemble donc. Mais écoutez, nous on va se laisser là juste devant l'arche, ça me paraît être un bon endroit pour couper. En plus on a les magasins, donc on va pouvoir faire un petit peu d'emplette, un peu de tri, tout ça, et on se retrouve juste après le temps qu'elle prépare la clé. Voilà, la clé est prête, on aura juste à la prendre et à l'insérer pour visiter l'arche du coup dans le prochain épisode. On espère en tous les cas que ça vous fait plaisir qu'on soit de retour. On ne vous a pas abandonné, on ne vous a pas oublié, on avait envie de finir et on finira oui. Clairement l'aventure jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. On espère en tous les cas que cet épisode vous a plu, on vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un nouvel épisode, et on n'oublie pas la traditionnelle petite glissade. Allez viens, on va glisser là, allez viens, allez, salut 3, à tous 2, et... Je dis, monsieur l'arbitre, on la refait. Bon, on la refait, ok, très bien. Allez. 3, 2, 1. T'as vu. Bah oui, parce moi, que. C'est la reprise, c'est pas. Parce qu'en fait, tu vois, tu fais 3, 2, 1, mais t'es déjà parti. En fait, le 1, t'es déjà en train de glisser dans les escaliers, tu vois. Genre... Moi, le 1, c'est le moment où j'attends, tu vois, et je pars à 1.